Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau spécial dédié aux femmes. Comme vous le constatez ce soir, je ne suis qu'entourée de quatre belles dames charmantes. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Elles ne sont pas seulement belles de forme, mais aussi de fond. Nous avons Mamita Keita, d'origine malienne, animatrice de métier, activiste africaine, gestionnaire de formation. Bonsoir Mamita. Bonsoir. Ensuite, nous avons Madame Kauter Daoui, directrice d'un espace culturel. Bonsoir madame. Bonsoir. Madame Wafa, docteur en sociologie et peintre. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez ramener un petit pot de peinture. Oui, pourquoi pas. Ou un tableau. D'accord. Et enfin, nous avons Madame Radia Djerbi, présidente de l'Union Femmes Tunisiennes, avocate et présidente des Femmes Maghrébines. Bonsoir, madame. Bonsoir. À toutes, d'abord, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Je sais que ce n'est pas facile avec les bouchons. Merci à vous. Nous sommes réunis ce soir à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme et non de la fête des femmes, comme on l'entend très souvent. Le thème retenu par la Radio Libre francophone est le même que celui proposé par l'Organisation des Nations Unies. Il s'intitule « L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes ». Un thème qui en dit long lorsqu'on sait que qui dit femme rurale dit manque d'infrastructure étant pour moi, excusez-moi, conditions de travail archaïques et parfois déplorables et surtout absence de protection sociale. Nous allons ouvrir le débat ce soir avec Mamita Keita, d'origine malienne, parce qu'elle va nous donner effectivement les conditions, les véritables conditions de travail des femmes en milieu rural au Mali. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Très content d'être là ce soir sur ce plateau avec vous pour parler de ces femmes en monde rural plutôt. Oui. Évidemment, vous venez juste de le dire un tout petit peu, je suis là aussi pour parler un peu du coton du Mali. Oui. Le Mali étant premier pays producteur du coton dans le monde aujourd'hui. Oui. Et dommage que nos femmes, les femmes maliennes, occupent juste une place vraiment rudimentaire dans cette productivité-là. Oui. Parce que c'est les hommes qui produisent vraiment et seulement c'est les femmes qui sont vraiment en amont, qui oui. s'occupent de la transformation oui. De cette graine de coton oui. Pour en faire des produits de base vraiment peu suffisants. Oui. Et comment, quelles sont vraiment, les femmes travaillent en fait dans quelles conditions? Est-ce qu'elles ont un soutien au niveau du social? Est-ce qu'elles ont l'infrastructure qui va avec? Est-ce que les terres sont propices? Il y a le changement climatique? Évidemment. Oui. Alors, justement, pour parler sur ce point-là, ça reste vraiment très, très critique, il faut le dire. Oui. Forcément, il y a le pays, le Mali, qui est en train de faire son mieux, en fait, le mieux possible pour pouvoir aider ces femmes-là dans ces zones rurales, il faut oui. le dire. Mais ces femmes, non seulement il faut le dire, elles sont la majeure partie analphabètes, oui. comme je le disais. Donc souvent, oui. elles ne se rendent pas compte de la chance ou de l'opportunité qu'elles peuvent avoir oui. pour vraiment briller dans oui. ce secteur-là. Oui. Donc souvent, le coton, c'est quand même un produit qui demande beaucoup d'apport en eau, il faut oui, le dire. Oui. Et souvent, on ne trouve pas d'eau dans ces zones rurales, dans ces zones rurales plutôt. Oui. Donc, elles sont obligées d'aller chercher de l'eau dans des zones très, 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 très lointaines. Souvent, elles peuvent faire 10 mètres, 20 mètres pour pouvoir avoir de l'eau et oui. pour pouvoir nourrir ces plantes. Et souvent, l'apport n'est vraiment pas vraiment conséquent. Il faut le dire. Parce que, comme on dit souvent, le Mali, même étant le premier pays producteur du coton, oui. le Mali est price taker, il faut le dire. Elle produit, mais elle n'a pas la même mise sur le prix du coton. Donc, c'est le commerce international qui donne ces prix-là. Donc, le Mali est obligé de prendre ces prix comme on le donne, en fait, il faut le dire. C'est un peu plus compliqué que ça. Oui. D'accord, merci, ouais. madame. Je vais me tourner vers madame Daoui, qui est directrice, comme je l'ai dit, d'un espace culturel. Je me tourne vers vous parce qu'ici, en Tunisie aussi, il y a beaucoup de femmes qui ne pratiquent peut-être pas de l'agriculture, mais qui font des métiers comme des activités artisanales. Bien sûr. Oui. Et j'ai connu plusieurs et oui. je les ai toujours encouragées, je les ai invitées oui. dans mon espace pour exposer leurs produits. Oui. Le seul problème qui se pose, c'est que je ne peux aborder ou bien inviter que celles qui travaillent en Tunis, à Tunis oui. et pas loin de Tunis. Oui. Mais les autres qui sont loin, je ne peux pas les ramener. Il y a un grand problème de transport. Oui. C'est ça le problème de la femme rurale,
C'est le problème. Et pour les enfants même. Et pour les... c'est le problème de transport. Oui. C'est tout ce que je peux dire. Oui. Mais elles viennent, elles exposent et ça me fait grand plaisir. Les artisanes, comme des bijoux, comme oui. elles font de très, très belles choses. Notre artisanat, comme poterie, oui. comme, elles sont magnifiques. Et voilà. C'est le problème qui se pose, c'est le problème de transport, oui, surtout. D'accord, merci. Et Madame Wafa, vous qui êtes peintre, vous avez eu l'habitude de côtoyer des femmes qui font dans l'artisanat un peu, comment elles travaillent, quelles sont les conditions? Ce n'est pas facile, surtout quand on sait que l'artisanat en Tunisie est déjà un peu, on pourrait dire, vieux jeu. Ça n'a plus la place qu'elle occupait avant la révolution. Donc, quelles sont les véritables conditions? Je crois que vous les côtoyez. Il faut dire, bon, dans mon cas, c'est un peu spécial parce oui. que moi, je fais de la peinture, c'est vrai, oui. mais je suis en train de joindre entre deux domaines, en fait, oui. la peinture et la sociologie. Oui. Donc, lorsque je peins ou je fais des tableaux ou des expositions, c'est toujours dans le cadre des conférences et j'analyse justement ce que j'aborde comme thème dans mes tableaux. Oui. Et d'ailleurs, le thème de... Le thème de la femme rurale, oui. la femme laborieuse, oui. je l'ai bien évoqué dans ma dernière exposition de peinture sur la femme africaine. Oui. Et sachez, mesdames, que la femme africaine, c'est elle qui a sauvé l'Afrique. Oui. Donc, on ne peut pas parler vraiment d'une femme... Elle a une importance... Elle a joué un rôle très important, surtout au niveau du commerce de subsistance que l'Afrique, elle a vécu que de ce commerce de subsistance. Puisque le commerce local a été détruit par la colonisation, le commerce international a été détruit depuis 1500 avec le Portugal qui a dominé l'Atlantique. Et il a remplacé ce commerce international par le commerce triangulaire, l'esclavage. Donc l'Afrique, elle a vraiment survécu à travers oui. ce rez-de-chaussée, comme il l'appelait Fernand Braudel. C'est le commerce de subsistance et c'est la femme africaine qui a joué un rôle très important pour justement animer et jouer ce rôle au niveau du commerce de subsistance, au niveau de l'agriculture, au niveau de l'artisanat, oui. Les marchandes, au niveau du marché, tout oui. ça. Donc, les conditions étaient difficiles, ça c'est sûr, mais c'est elle qui a sauvé l'Afrique hein, mm-hmm. d'une éventuelle disparition, comme ça a été le cas des Indiens de l'Amérique ou autres. Donc, le rôle de la femme africaine était très, très, très important. Oui. Et vous pensez que le rôle de la femme africaine actuellement, est-ce qu'il se voit vraiment dans ses activités rurales? Est-ce qu'il se laisse paraître? Vous avez pas dit du tout, oui. Pas du tout, pas du tout. Les conditions sont lamentables, oui. j'ose dire. Tant que les conditions sont lamentables, c'est que on ne peut pas produire. Oui. Par exemple, je connais des femmes qui habitent dans des forêts et qui de leur savoir-faire extrait des huiles essentielles qui nous arrivent jamais. Mmh. Encore un problème de transport. Exactement. Oui. Ce que je demande, à mon avis, la seule solution, c'est de rapprocher. Et la seule manière de rapprocher ces artisanes et ces ouvrières, c'est l'infrastructure. Mmh. D'accord. Madame la Présidente, je me tourne vers vous après tout ce que vous avez entendu. Vous êtes déjà penchée sur la question, évidemment. Évidemment, bien sûr. Notre organisation, comme le sache, plusieurs Tunisiennes ainsi présentes aujourd'hui, elle s'est penchée dès sa création sur la femme rurale et les conditions des femmes rurales et améliorer les conditions des femmes rurales. Donc c'est une question très ancienne, mais une question récente dont on travaille, sur laquelle on travaille toujours. Oui. Donc je ne sais pas, est-ce que je devrais, qu'est-ce que je devrais dire après ces propos? Certes, il y a beaucoup de vérité de ce qui a été dit, mais les problèmes de la femme rurale, ce n'est pas seulement le transport. Le problème est énorme. D'abord, il y a la marchandise elle-même, l'écoulement du produit, l'amélioration de ces produits pour qu'ils soient commerciables, et aussi les conditions de travail, les conditions dans lesquelles elles travaillaient, le salaire, la sécurité sociale,
Donc, la couverture sociale, la question aussi de la santé, le rapport de la femme rurale par rapport aux insecticides, aux pesticides, tous ces produits chimiques qu'elle traite tous les jours, alors qu'elles ont un effet très néfaste sur leur santé reproductive. Donc, il y a aussi la question de l'égalité, la question des droits des femmes d'une manière générale. Il y a la question des votes, la question de l'égalité. Oui. Madame, il y a donc énormément de problèmes. Vous avez parlé de la question de santé. Et la question de santé revient parce que, au niveau de la protection sociale, parce qu'elles sont plus exposées que les femmes qui travaillent dans des zones plus favorables. Oui. Elles sont plus exposées. Alors, au niveau de la protection sociale, qu'est-ce que vous pouvez... De toute façon, moi, je vais parler de la Tunisie. Je ne vais pas parler d'un pays que je ne connais pas. Bien sûr, nous parlons de la Tunisie. Et certainement, les femmes, d'abord, plusieurs d'entre elles ne sont pas conscientes qu'elles sont en train de manipuler des produits toxiques, des produits graves pour leur santé. Elles ne se rendaient pas compte du danger. Sinon, il y en a d'autres qu'elles sont conscientes, mais qu'elles n'avaient pas le choix. Donc, il n'y a pas une autre alternative parce que le travail manquait ou il n'y a que ce travail-là qui est le champ et l'agriculture. Et de toute façon, elle est obligée de le faire. Donc, nous, la Tunisie, on s'est penché sur la question de la santé et l'amélioration de la santé des femmes. Donc, comme elles n'ont pas de couverture sociale et l'accès aux soins gratuits, donc on s'est penché pour améliorer la situation des femmes artisanes et agricoles. Et il y a un process qui a été mis en place il y a 2 ans de ça, pour qu'elles peuvent avoir accès à la santé publique, mais gratuite pour toutes les femmes, parce qu'elles travaillent dans... Mais est-ce que c'est concret? Est-ce qu'elles ont véritablement accès? Oui. Donc c'est appliqué. Mais, des hôpitaux. Mais ce n'est pas suffisant. Oui. Parce que l'accès à la santé publique est gratuite, certes, c'est bien, mais dans ces régions-là, il n'y a que la santé élémentaire. Il n'y a pas accès à tout ce qui est spécialité, à tout ce qui est... Gynécologie, par exemple. Oui, par exemple. Oui. Mais surtout, les opérations graves, les trucs qui sont plus costauds. La santé, quand on parle de la santé de la femme rurale qui est atteinte, il faut tout d'abord envoyer tout un hôpital qui est tout près. C'est ça, je reviens toujours. Améliorer les conditions. Oui. Et je commence et je reviens toujours qu'il faut rapprocher. Oui. Parce que sans l'infrastructure, on ne peut rien faire. Oui. C'est une staff qui va avec une infirmière ou un médecin pour vérifier s'ils vont bien ou pas, pour distribuer un peu de médicaments. Mais ça ne suffit pas. Allez-y, on ne peut pas parler de santé. Je sens que vous avez à dire au niveau des infrastructures. Oui, vous avez... Oui, il y a ce problème, bien évidemment. Maintenant, bon, on a parlé beaucoup de la femme rurale, même aussi la femme urbaine, elle souffre. Hein. Il y a quand même des problèmes. C'est vrai qu'elle a pris... tout le corps du métier, il faut dire, je parle des Tunisiennes, on a 72% sont des pharmaciennes, 50% sont dans le corps médical et dans l'enseignement supérieur, il y en a 30% qui sont des juges et des avocates, il y en a aussi les étudiantes au niveau d'enseignement supérieur, ils sont à 60% par rapport aux garçons, donc... Oui. La présence de la femme, elle est importante au niveau du corps de métier, mais il reste toujours le problème de la charge. Hein. La charge, elle est devenue de plus en plus lourde. On a encore la charge, par exemple, au niveau de la sphère domestique et familiale, elle est toujours à nous hein, de le faire. On assure le tout ensemble. Bon, la qualité ici de la femme, c'est qu'elle est... polychrone, elle est polyvalente par rapport à l'homme, bien sûr, mais ça reste que on va subir. Elle est forcée de le faire, madame, excusez-moi du terme, parce que finalement, on a changé la situation. La femme s'est imposée dans le milieu, disons, hors les travaux familiaux et le sphère familiale est cloîtré, mais on n'a pas changé la mentalité des hommes pour qu'eux-mêmes aident les tâches domestiques. Justement. Donc, du coup, les femmes tunisiennes se trouvaient
à la charge, responsable de beaucoup de charges à la maison et hors la maison. Donc, c'est pour cela qu'on dit chez nous, il y a une panoplie de droits, il y a énormément d'acquis, mais reste beaucoup de travail aussi à se faire sur les mentalités. Bien sûr. Mamita Keita, j'avais une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression que il y a 5 ans, c'est vrai que la Journée internationale des droits de la femme existe officiellement depuis 1977, mais je ne vais pas parler de 1977. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a 5 ans, si nous prenons 2013 oui. à 2018, est-ce que vous avez l'impression qu'à ce niveau-là, les conditions des femmes ont changé? Pas vraiment. Parlons bien des femmes rurales. Franchement, pas c'est vraiment. C'est resté intact. En fait, si on veut, on essaye juste de leur donner des petits moyens de pouvoir... un semblant de moyens, en fait, il faut le dire vraiment. Oui. Et c'est qu'elles puissent... petit à petit écouler les petits produits et qu'elle, comme les petits savons, comme souvent ils disent blanc et noir, pour pouvoir écouler ça, trouver des, un semblant de ressources de subsistance. Oui. Mais en vrai dire, non. Par rapport à la femme tunisienne, moi, j'envie la femme tunisienne. Vraiment, il faut le dire, c'est un modèle de l'économie de réussite en Afrique, vraiment. Oui. Par rapport au Mali, vous avez droit, c'est ce qu'elle vient de dire, les pourcentages par rapport à l'alphabétisation, par rapport au poste vraiment haut placé. Le Mali, on n'a pas cette opportunité-là. Oui. Les femmes, on a peu de femmes ont cette chance-là d'aller à l'école, de pouvoir s'instruire et aussi de pouvoir vraiment se rendre compte. Et comme on dit chez nous aussi, c'est que nos pays africains, globalement, doivent se rendre compte. Ils doivent se dire que instruire une femme, c'est instruire d'abord la famille, instruire le quartier, instruire la ville et tout un monde. Alors, c'est ce qui fait que l'Afrique reste toujours sous-développée parce que les femmes n'ont pas de place très, très importante. Oui. On n'a pas de place qui nous revient de droit, en quelque sorte. Là, vous parlez déjà des femmes en général, en plus général, de la femme rurale. Plus de la femme rurale, même la femme rurale aussi, parce qu'elle reste... Elle est encore plus derrière. Justement, elle est encore plus derrière. Souvent, quand elle vient nous trouver, elle va dire mais vraiment, vous rigolez, quoi. Vous parlez de ci, de ça, et vous voyez tout ce que vous avez comme opportunité. Oui. Vous avez droit à l'eau, à l'électricité. On se lève le matin, on se douche sous l'eau chaude. Oui. Un payeur de fraîcheur va dans des régions reculées. Les femmes, elles souffrent pour pouvoir trouver pour pouvoir trouver un petit bout de bois, se chauffer de l'eau, pouvoir laver ses enfants, ça fait pitié. Moi, j'ai des larmes aussi. Aux yeux. Chez nous aussi. C'est j'ai des larmes aux yeux. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on arrête de dire on va faire ci, oui, on doit faire ci, on va faire ça. Il faut que ça soit des choses, mais vraiment concrètes. Faire de l'infrastructure, donner des moyens à ces femmes-là, ce n'est pas que de moyens financiers. Parce que l'argent, là où on ne l'a pas, ça ne sert à rien. Avant d'apprendre quelqu'un à pêcher, à manger du poisson, il faut l'apprendre à pêcher. Exactement. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose de concret. On veut du concret, on ne veut plus de blabla. C'est tout. D'accord, merci. Et vous, quelle est la position de la femme, plus de la femme rurale, mais de la femme en général tunisienne? Moi, je suis contente et fière de la femme tunisienne. En 2018, et même avant, et même après, même la femme rurale. Urbaine plutôt. Oui. Je l'admire. J'admire sa force. J'admire ses idées. Et elle s'impose très, très bien. Oui. Tout ce que je veux, c'est... cela fait manière à beaucoup, beaucoup d'années qu'on attend un miracle, surtout pour les femmes urbaines. Oui. On aimerait bien que ça s'améliore un jour et que la vie devienne digne pour ces femmes-là. Oui. On attend. Vous ne pensez pas que ce sont les femmes qui peuvent faire que ça s'améliore, les femmes elles-mêmes Évidemment. C'est une femme que j'admire parce qu'elle travaille. Elle essaie de trouver des solutions quotidiennement. Oui. Et c'est une femme que j'admire, la femme tunisienne, surtout cette catégorie-là. Oui. Et que j'aimerais bien qu'un jour, avant de partir de ce monde, voir cette femme vivre dignement, comme toutes les autres femmes, tout simplement. D'accord. Et Madame Wafa, quelle est votre position? Moi aussi, je suis fière d'être tunisienne, je suis fière d'être africaine.
Il y a des femmes qui ont marqué l'histoire tunisienne, hein, ouais. Commençant par la reine Didan, Alissa, et après il y a Sonovisme, c'est la fille de Hasdrubal qui s'est mariée avec Sifax. Il a réconcilié les Carthaginois et les Numides. Et après, on a aussi des guerrières comme Ilkehna qui a combattu les musulmans. Et après, il y a une autre guerrière qui est musulmane comme l'Hilaleya, Zezia l'Hilaleya. Il y a aussi des militantes féministes comme Bshira Ben Brad, comme Radia Haddad. Donc ce sont des femmes modèles, hein, et qui ont vraiment fait beaucoup pour la Tunisie et qui font notre fierté. Donc vraiment, je suis fière d'être tunisienne et aussi je suis fière d'être africaine. C'est un vibrant hommage, là. Et madame la présidente, vous qui côtoyez les femmes de toutes les catégories, quelle est la position actuelle de la femme? Il y a évolution, il y a encore du évidemment, travail à faire. Évidemment, c'est pourquoi ces belles femmes sont admiratrices pour la femme tunisienne. Bien sûr, on ne peut pas dire qu'on n'est pas fière d'être tunisienne. Chacune de nous est fière de son propre pays, donc on est toutes des patriotes. Mais c'est vrai, chez nous, moi je côtoie toutes les catégories, je connais toutes les femmes, donc je peux vous dire qu'il y a beaucoup de travail à faire. Certes, c'est vrai, on a beaucoup d'acquis, on a fait un bon chemin, on a fait aussi un très bon combat, surtout après la Révolution. On a démontré, nous, les Tunisiennes, que tout ce qu'on a eu, ce n'est pas seulement le fruit de notre histoire, mais aussi d'une volonté politique, mais aussi, c'est, on l'a arraché, comme vous voulez le dire. On l'a arraché et on le mérite maintenant. Il n'y a pas quelque chose qui nous a été donné. La Constitution, cette parité, cette égalité homme-femme. Toutes ces lois qui viennent, la loi organique contre la violence faite aux femmes, parler maintenant de l'héritage, le partage égal à l'héritage. Donc il y a de très 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 belles choses qui nous arrivent, mais ça n'empêche qu'il y en a d'autres femmes qui souffrent encore, qui souffrent toujours, malgré tous ces textes de loi et toute cette volonté politique ou associative tunisienne. Donc il y a encore du travail à faire, parce que entre les textes et la réalité, il y a quand même un écart. Entre aussi la volonté de nous, les femmes, et même les hommes, les hommes de droit, mais aussi il y a beaucoup de travail sur les mentalités, il y a aussi un danger. Encore rétrograde. Ah oui, un danger qui nous quête. Donc c'est pour cela qu'il faut qu'on reste vigilante, mais surtout qu'on reste unie. Donc il n'y a que l'union qui peuvent nous garantir cette place qu'on l'amène. Je vous remercie encore, mesdames, d'avoir sacrifié un peu de votre temps pour que nous discutions de cette question qui est toujours d'actualité et toujours brûlante. Le débat n'est pas fini, il y a encore du travail à faire. Et pour ça, nous allons accueillir d'autres charmantes dames. Comme je vous ai dit, ce plateau, il est exclusivement dédié aux dames. Donc, nous accueillons de nouvelles dames après la pause. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant pour la deuxième partie de cette émission. C'est un plateau spécial exclusivement dédié aux femmes. Nous rappelons pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que c'est le 8 mars 2018, c'est la journée internationale des droits de la femme. Le thème retenu ce soir par la Radio Libre francophone est le même proposé que par l'Organisation des Nations Unies. L'heure est venue, les activistes rurales et urbaines transforment la vie des femmes. Maintenant, pour cette deuxième partie, nous n'allons plus parler des femmes rurales, mais déjà des femmes urbaines, parce qu'elles aussi font partie des femmes qui se battent pour la société, pour de meilleures conditions de vie. Alors, sans toutefois tarder, je suis accompagnée de charmantes dames, une fois de plus. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Nous sommes avec Madame Djamila. Bonsoir, Madame Djamila. Bonsoir. Qui est députée, membre du Parlement panafricain et membre du Parlement africain. Nous sommes avec Madame Nabila Hamza, membre fondateur de l'Association des femmes démocrates. Madame Dalila Ben Ayesh, présidente de l'association Yasser,
et Madame Enda Azizi, trésorière de l'association Jasser pour les ponts d'amour. C'est la même association. Ouais. Mais parlez-nous avant de l'association, un petit bref débriefing sur l'association. Qu'est-ce que nous sommes des femmes meilleurs voeux, tout d'abord pour toutes les femmes du monde. Oui. Pour cette journée exceptionnelle, pour des femmes exceptionnelles. L'association Jasser s'intéresse principalement aux enfants des zones rurales. Oui. Ce qui nous amène à s'intéresser forcément à la femme rurale. Oui. Nous sommes des femmes urbaines. Oui. Mais qui luttent, femmes de terrain. Oui. Qui lutte pour notre pays, c'est on essaye de ramener ces femmes-là, oui, à leur droit, à une vie, bon, à une vie. Si vous voulez, je peux rejoindre. Oui, allez-y, puisque vous êtes trésorière. En fait, cette association s'intéresse à la femme rurale, oui, vu les conditions dans lesquelles elle vit dans des conditions donc, qu'on peut la qualifier de misérable. Oui. Donc, elle ne peut pas. Donc, il s'agit des femmes qui souffrent. Oui. Qui souffrent de la misère, de l'alphabétisme. La majorité des femmes sont des femmes analphabètes, oui, qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire. Encore donc, des femmes qui se battent tous les jours pour élever leurs enfants elles sont en fait des femmes démunies. Hein. Oui. Et du coup, donc nous, en tant que des femmes tunisiennes, on essaye de venir en aide à ces femmes rurales, oui, pour de les soutenir et avec des moyens, donc, oui, des moyens, si j'ose c'est dire, tout. Des moyens avec oui, des moyens concrets, bord, des moyens de oui, bord, avec ce que mais vous avez. Quand même, mais quand même, on essaye d'apporter de la joie, oui, de les aider, de, oui, donc de les aider, c'est-à-dire de les soutenir, d'être près d'elles. Oui. Et est-ce que ça se passe bien? Vous sentez l'évolution? Oui, 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 effectivement, ça se passe très bien. Oui. D'ailleurs, on a organisé pas mal des événements. Oui. On a dernièrement, oui, on a amené des enfants des établissements, oui, de la Tunisie, donc du Tunis, oui, du Tunis, et on les a ramenés. Oui. Est-ce que parmi ces femmes rurales, il y a certaines qui sont devenues urbaines, parce qu'il y a quand même elles ont laissé le champ, elles ont évolué, parce que quand on est rural on travaille l'agriculture. Est-ce qu'il y a parmi elles qui sont devenues des femmes urbaines qui ont laissé l'agriculture pour faire un métier? Non, c'est pas notre s'il but plaît, c'est non, pas votre but. Non, c'est, pas, oui, c'est au contraire, nous notre association essaie d'aider la femme rurale à être bien chez elle, à s'installer bien chez, oui, elle. On a essayé même de monter des petits projets, oui, agriculture. Élevage. Vous avez dit tout, oui, à l'heure, c'est le but, c'est de le montrer comment pêcher. Oui. Comment, voilà, savoir pêcher. Voilà, comment, oui, savoir et non pêcher. Et lui donner du poisson. Voilà, c'est notre but. D'accord. On a essayé d'aider ces femmes à monter des petits projets, oui, comme élever de lapins ou des volailles, voilà, des camps, pour être autonome. Voilà. Et à côté de ces femmes rurales, il y a des femmes qui sont déjà autonomes, qui sont des femmes urbaines. Alors, je vais donner la parole à Madame Nabila Hamza, parce qu'elle est d'abord féministe. C'est vrai qu'elle est membre fondateur de l'Association des femmes démocrates, mais elle est aussi féministe. Alors, Madame Hamza, les femmes urbaines font encore face à des réalités si vous dans leur combat. Avant de parler et de diviser les femmes urbaines, oui, je voudrais simplement commencer par rendre un grand hommage aux femmes, oui, toutes les femmes du monde, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, partout dans le monde. Et quelles que soient ces femmes-là, je veux dire qu'elles soient au foyer ou dans la rue, pour moi, ce sont toujours des militantes, des battantes. Oui. Donc ça, c'est un grand hommage que j'aimerais faire en ce 8 mars.
Et je pense que le 8 mars, c'est d'abord une occasion pour faire un peu le bilan, quoi, dans tous les pays du monde. Oui. On commence par s'arrêter, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on a fait? On regarde un petit peu le chemin qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire, surtout. Et donc, c'est quand même un moment de grande mobilisation au niveau international depuis 1910, parce que, enfin, en 1917, officiellement, les Nations Unies ont reconnu la date du 8 mars comme la fête internationale des femmes, mais ça a commencé bien avant, c'était avec Clara Zetkin. Il y a plus de 110 ans. Exactement, voilà, avec Clara Zetkin et l'internationale socialiste en 1910. Donc, je pense que c'est un moment où toutes les femmes du monde sortent dans la rue pour exprimer aussi des demandes. Des demandes. Oui. Aujourd'hui, en Tunisie, il y a plein d'événements qui se préparent par des associations de femmes, mais également par nombre d'hommes qui rejoignent le mouvement féministe. Je dis féministe ou féminin. Pour ma part, je me considère féministe, c'est-à-dire que je considère que je suis une personne qui est engagée pour lutter contre le patriarcat et contre les formes de discrimination, quelle qu'elle soit. Voilà. Oui. Alors, votre question, c'était concernant les femmes urbaines. Oui. Et vous disiez, vous me demandiez... Quelles sont les réalités auxquelles elles font encore face? Parce qu'elles mènent un combat aussi, alors, les femmes. Écoutez, d'abord, le mot « femme urbaine » est un terme général. Oui. Vous parlez des Tunisiennes, je suppose. Bien sûr que je parle des Tunisiennes. Écoutez, les problèmes des femmes rurales sont certainement... il y a des problèmes communs, oui. Que les femmes soient en milieu rural ou en milieu urbain. Ouais. La législation est la même pour les deux. Oui. Ce qui est différent, ce sont les conditions de vie, ce sont les conditions, ce sont les salaires, ce sont les écarts dans les salaires. Les égalités. Et, les inégalités et les conditions bien plus difficiles quand même des femmes en milieu rural. Ceci dit, un des gros problèmes que rencontrent les femmes en milieu urbain, d'abord, effectivement, les différences de salaire, le chômage qui est très important, qui est pratiquement deux fois supérieur à celui des chômeurs masculins, les problèmes de violence à l'égard des femmes et les problèmes de harcèlement sexuel. Que je sache, il n'y a pas beaucoup de femmes qui violent des mecs dans la rue, me semble-t-il. Hein, peut-être que ça... Donc, il y a énormément de problèmes que les femmes rencontrent, notamment en milieu urbain, qui sont un petit peu différents. Encore une fois, il y a des problèmes qui sont communs aux deux. Par exemple, dans les transports publics. Hein, les femmes, notamment les femmes qui vivent dans la précarité, qui sont pauvres, en tout cas, qui ont un niveau de vie difficiles, prennent les transports communs et elles sont souvent victimes de harcèlement, ségrégation, voilà, etc. Donc c'est un gros problème. Il y a aussi, je vous disais, les écarts de salaire, le problème de chômage, les problèmes de la cherté de la vie qui est de plus en plus importante en Tunisie. L'exploitation. Bon, et il y a les problèmes, oui, d'exploitation dans les zones notamment industrielles, que ce soit par des industriels tunisiens ou par des industriels étrangers venus s'installer en Tunisie. Donc, elles rencontrent un certain nombre de discriminations. En plus de ça, évidemment, vous avez des problèmes de législation où il reste encore beaucoup à faire. La Tunisie a fait des avancées assez importantes, il faut le reconnaître, et je crois que tout le monde s'en félicite. Mais quand même, il reste beaucoup à faire. De faire une discrimination. Merci, madame. Merci, madame. Et je me tourne vers vous, honorable. Oui. Ok, merci. Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour ces plateaux et pour l'intérêt que vous accordez à la femme, d'une façon générale et la femme tunisienne en particulier. Également, j'ai saisi cette occasion pour féliciter et rendre hommage à toutes les femmes du monde. Dans n'importe quel endroit et dans n'importe quel poste, et leur dire notre combat doit continuer parce que nous avons beaucoup de choses à réaliser. Bien sûr, nous avons réalisé trop, mais ça reste quand même, nous sommes face à d'autres défis que nous devons réaliser. Pour moi, ma vision à moi, la discrimination à l'égard de la femme, c'est quelque chose de systémique
oui. dans les sociétés. Et ce n'est pas spécifique à la Tunisie, mais c'est universel. Parce que lorsqu'on examine les chiffres et les statistiques qui ont été élaborées par les Nations Unies concernant l'accès de la femme au poste de décision, on trouve que 23% de femmes occupent des postes dans le Parlement. Mmh. Et qu'on a 17 femmes chefs de gouvernement et nous avons uniquement 16 ou 17 femmes chefs d'État. Mmh. Et à mon avis que les mécanismes de changement oui. résident dans trois facteurs essentiels. Il nous faut un arsenal juridique qui favorise cette égalité. Oui. Il nous faut une assise juridique oui. en faveur de l'égalité. Il nous faut des politiques publiques oui. en faveur de l'objectif de l'égalité également. Et nous avons besoin d'une dynamique sociétale. Il faut la participation de toute la société, les femmes, oui. pour, de toutes les femmes, hommes, oui. femmes et tout, oui. pour réduire les inégalités okay. entre l'homme et la femme. Oui. Je trouve que les occasions comme le 8 mars et le 13 mars pour la fête nationale de femmes, et le 8 mars, la journée mondiale, ce sont de 13 août. 13 août. 13 août. 8 mars et 13 août. Oui. Ce sont des occasions pour évaluer, pour mettre le point où l'on est actuellement, pour évaluer le degré d'application des législations, oui. pour voir les situations des femmes d'une année à une autre, est-ce que la situation s'améliore ou non. Oui. Toutes les activités menées par la société civile ou par les instances, que ce soit de l'État, gouvernemental ou Parlement, c'est une occasion pour, comme je l'ai dit, évaluer. Oui. Les défis ou bien le problème et le combat doivent persister parce oui. que nous avons beaucoup d'obstacles devant nous. Et je ne vais pas, comme je vais rebondir ce qu'a dit Madame Nabil, je ne vais pas diviser les femmes rurales, bien sûr, oui. les femmes rurales. Ont beaucoup de problèmes, beaucoup plus de problèmes que la femme urbaine, mais il y a une assise, il y a un commun, il y a le commun entre toutes les femmes. Tout d'abord, nous avons la culture, oui. les traditions, oui. les coutumes, ce sont des entraves à l'évolution des droits de la femme. Donc ça veut dire qu'il y a oui. encore un problème de mentalité, ça veut dire qu'il y a un problème de mentalité. Il y a un problème de mentalité, il y a... également l'arsenal de fiqh islamique qui oui. ne change pas oui. et il n'y a pas une volonté pour le changer, il est caduque, il est devenu oui. dépassé par les événements, il ne subit pas les changements que nous vivons dans nos sociétés et il y en a des gens qui veulent imposer à la femme cet arsenal qui est devenu pratiquement dépassé par les événements oui. donc notre combat est pour il nous faut de nouvelles interprétations du Coran. Vous le savez que oui. notre société est musulmane oui. et tout le monde s'attache à l'islam. Oui. Mais lequel islam ? L'ancien islam ? Ou bien les anciennes interprétations ? Ou bien nous devons avoir nos propres interprétations oui. qui s'apparentent avec notre... société oui. avec le spécificité. Donc on doit actualiser, on doit actualiser ça. Autre problème, ça rentre dans les cadres de systémique, le pouvoir oui. ne se donne pas. Il s'arrache. Donc il faut que toutes les femmes sachent qu'elles doivent mener le combat pour arracher leur poste. Oui. Personne ne te donne son pouvoir. Il oui. y en a deux choses qui ne se donnent pas. L'argent et le pouvoir. Et c'est le combat de toute l'humanité. C'est depuis des siècles, et toutes les guerres se basent essentiellement sur le pouvoir et l'argent, oui. le patrimoine d'une façon générale. Oui. Donc, pour je vais dire un petit mot en ce qui concerne la femme rurale. Le grand problème de la femme rurale, c'est la pauvreté. C'est la violence familiale, parce oui. que dans les milieux ruraux, les gens sont beaucoup plus conservateurs, donc oui. Les traditions... Mais vous ne pensez pas oui. que la femme urbaine aussi est fait face à une situation précaire ? Est-ce qu'elle est aussi pauvre ? Oui, mais c'est pas... C'est juste l'environnement qui diffère, oui, parce oui. qu'il y a des c'est femmes qui en diffère, ville oui. qui... Les patriarcats dominent beaucoup plus dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
Nous sommes des femmes urbaines, oui. Et nous vivons le quotidien. Donc, voilà, oui. Le quotidien. Moi, je suis originaire d'un milieu rural. Je connais, je peux faire la différence entre les deux, mais c'est pas, nous n'avons pas le même. D'accord. Il y a les inégalités dans les salaires, les conditions de travail qui sont lamentables. Il y a le problème des transports pour la femme rurale. Il y a également la question de pauvreté. Ça, ça pèse trop. Oui. La femme dans les milieux ruraux vit une situation précaire qui nécessite une attention particulière. Pardon, je voulais ajouter. Allez-y, je voulais rejoindre. Je pense que le problème majeur qui laisse les femmes un peu enracinées, un peu dépendantes envers les tutelles, soit les parents, soit les maris. Et je pense, à mon avis, c'est que l'éducation. Parce que les femmes, généralement rurales, ne poursuivent pas leurs études. À certains moments, vu, bien sûr, leur situation précaire, donc elles ne peuvent pas accéder ou ne peuvent pas poursuivre les études. Et du coup, elles se trouvent là, elles se trouvent dépendantes et soumises. Oui. Par contre, l'éducation, la femme urbaine, je pense qu'elle a accès à l'éducation, elle peut lutter et du coup, elle se sent comment ? Elle peut s'affirmer. Oui. Elle peut s'affirmer. Elle a une petite liberté. Voilà, elle peut s'affirmer, elle peut arracher cette liberté. Et du coup, elle se sent émancipée. Elle peut, voilà. D'accord. Elle peut briser même les chaînes. D'accord. Je vais aller vers Madame Nabila Hamza. Vous qui êtes sur le terrain, vous êtes féministe, vous êtes sur le terrain. Donc vous savez exactement, peut-être pas exactement, mais à peu près ce qu'il faut pour en finir avec ce combat. Pas exterminer, mais en finir. Moi, je crois que c'est un combat continu. Je crois pas qu'un, et quelques solutions. Non, je crois que d'abord le combat pour les libertés, de manière générale, même si on ne parle pas de femmes, c'est un combat continu. Je veux dire, les Tunisiens ont fait une révolution. Ils ont obtenu certaines libertés au niveau des médias, etc. Mais c'est tous les jours quand même qu'on est là pour rappeler qu'attention, il faut respecter les libertés, attention. Donc, il y a toujours un challenge. La liberté, c'est quelque chose vers laquelle on tend, vers laquelle on aspire, mais qui est un combat continu. Donc, je ne crois pas que le combat des femmes soit terminé à jamais. Je crois que les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Je crois que si on compare la situation des femmes du 21e siècle à celle du 15e, 16e ou 18e siècle, il est évident que quand même il y a eu un saut qualitatif extraordinaire. Je veux dire, c'est clair, mais c'est grâce aussi aux luttes qui ont été menées notamment par les femmes, aidées parfois par des esprits éclairés, comme ce fut le cas de Bourguiba en Tunisie, mais ça a été essentiellement grâce à la lutte continue de femmes qui sont beaucoup sacrifiées sur cela. Alors les leviers dont vous parliez, vous disiez comment mettre... moi je crois qu'il faut actionner plusieurs leviers à la fois, je veux dire, l'éducation dont parlait madame est effectivement un tremplin sur lequel on bâtit beaucoup, en tout cas l'égalité entre hommes et les femmes. C'est là qu'on commence à apprendre aux enfants le respect de la différence, mais le respect dans l'égalité. Ce que fait notre école, nos écoles de manière générale, c'est de faire... d'éduquer les garçons à un sentiment de supériorité masculine. J'allais arriver là, madame. Exacerbé. Excusez-moi de vous couper la parole, j'allais arriver là. Vous, en tant que parent, vous êtes mère. Avez une fille, vous avez un garçon. Alors, vous, en tant que parent, vous ne pensez pas que vous participez aussi à cette inégalité-là ? Tout à fait. Parce que vous, il y a certaines tâches, ça commence de la famille, parce que des fois, on dit évident. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est ton frère qui peut le faire. Alors, vous, en tant que parent. Tout à fait. Non, je pense qu'effectivement, quand je parle d'éducation, je ne parle pas uniquement de l'institution scolaire. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle les moyens de socialisation. La famille est le premier moyen de socialisation. Et les sociologues ont très bien compris que non seulement
la famille pouvait créer des petits machos et des femmes soumises, mais que également par moments elle créait des femmes soumises qui elles défendaient justement leur soumission ou l'acceptaient et continuent et voulaient la perpétuer et la perpétrer. Donc je pense que l'éducation est un de ces volets, mais ce n'est pas le seul. Je pense également que ce qu'on appelle la législation, la loi, est absolument un moteur de première catégorie pour faire avancer la cause des femmes. Si la loi ne devient pas un moteur du changement et un moteur de lutte contre la discrimination, on n'en finira jamais. D'accord. Madame, c'est vous qui faites les lois, c'est vous qui votez les lois. Oui, c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est une question pour vous. Les mécanismes ou les moteurs de changement, ce sont premièrement la loi. C'est le levier. On ne peut pas changer la société sans pour autant avoir un système juridique fiable, efficace, qui a des orientations claires et qui réalise des objectifs clairs. Mmh. Avec la législation, il ne faut pas légiférer et laisser les lois comme ça. La mise en œuvre des applications et des lois, ça se fait par des politiques publiques. Un budget sensible au genre. Il nous faut tout un système gouvernemental pour appuyer l'objectif d'égalité. Également, ça ne suffit pas. La dynamique sociétale. Il faut avoir une très forte société civile. Il faut que les élites du pays en parlent. Il faut toujours en parler sur cette question. La question d'éducation dès l'enfance. Les familles, il faut sensibiliser les femmes et toutes les familles sur les questions d'égalité. Merci, madame. Mais en parlant des lois, avant de clore cette seconde partie, nous allons parler toujours des lois, le cadre législatif et réglementaire qui fait de la femme rurale un élément agissant dans la société. Est-ce que vous, madame, vous qui aidez les femmes rurales, est-ce que vous avez déjà pensé à mettre les femmes rurales dans des activités plus législatives, plus réglementaires? C'est très difficile. Réellement, c'est très difficile. Ce qui manque pour la femme rurale à être intégrée dans la société, c'est que la société essaie de rejoindre la femme rurale. Elles sont isolées, seules. Elles combattent seules. Elles combattent pour subvenir aux besoins quotidiens, pour survivre. Elles souffrent. Pour les lois, pour les lois et leurs droits, il n'y a pas moyen. Elles sont négligées. Elles sont négligées. C'est la réalité. D'accord. Le problème, excusez-moi, de la femme rurale, il y en a des lois, des textes de lois qui ne s'appliquent pas. La couverture sociale, par exemple, qui manque. Il y en a toute la législation qui est là, mais pardon, elle ne s'applique plaît. Pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas des instructions de haut niveau pour que les gens obéissent et appliquent la loi et assurent la couverture sociale pour ces femmes-là. C'est l'absence de l'État. C'est l'absence de l'État. Oui, allez-y, madame. On n'est pas encore arrivé à même des choses les plus élémentaires. Je parle de l'eau potable, de l'eau. Ils n'ont pas accès à l'eau. Ils n'ont pas de l'eau potable. On ne parle pas des accès, par exemple, à la santé publique et tout. Donc, c'est un luxe. Ils n'ont pas les moyens de se déplacer, de manger même. Nous sommes allés à une région, c'était une région aride. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. Il n'y a que la maladie. Mais, pour avoir de l'eau potable, ils doivent se déplacer des kilomètres et des kilomètres. Donc, comment tu veux que ces femmes... Donc nous pouvons en retenir qu'effectivement le combat continue. Notre débat aussi continue. Retrouvons-nous dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de ces débats. Mmh.
Une fois de plus, bonsoir à ceux qui nous rejoignent à l'instant pour la troisième et dernière partie de cette émission pour la Journée internationale des droits de la femme. Nous avons retenu le thème de l'Organisation des Nations Unies, situation des femmes en milieu rural. Mais cette fois, nous allons nous pencher sur une thématique très importante qui fait couler beaucoup d'encre dans la société tunisienne. C'est le débat sur l'égalité de l'héritage. Donc, nous allons commencer ce débat avec vous, Madame Hamza. Vous êtes féministe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce débat? D'abord, je vais commencer par faire un grand appel. Oui. Pour que vous rejoigniez notre marche le 10 mars prochain. Oui. C'est un appel à la marche pour l'égalité dans l'héritage oui. entre les hommes et les femmes. Et c'est une marche qui est ouverte aux hommes et aux femmes. Oui. Et nous attendons absolument des milliers de personnes. Nous sommes une coalition de 70 associations, oui. Des associations féministes, des associations de droits de l'homme, des syndicats, des universitaires et bien d'autres, qui allons nous réunir à partir de Beb Saadoun jusqu'au Bardo, qui est la place symbolique de la révolution tunisienne, qui est très, je veux dire, appréciée par les Tunisiens et porteuse de plusieurs symboles. Et là, on aura un grand concert, justement, féminin. Et notre mot d'ordre, tout le long de cette marche, c'est que l'égalité dans l'héritage est un droit, et ce n'est pas une faveur, ce n'est pas un privilège. Oui. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. Oui. Alors maintenant, la question qui se pose, pourquoi ce combat? Pourquoi avons-nous choisi aujourd'hui de sortir dans la rue, j'espère, des milliers, pour demander l'égalité dans l'héritage? Ben écoutez, nous... on travaille sur cette thématique à l'Association des femmes démocrates depuis à peu près 20 ans. Oui. Mais avant de vous parler de notre combat, j'aimerais dire d'abord que ce n'est pas un thème nouveau. C'est un thème d'actualité, mais ce n'est pas un thème nouveau. Oui. La Tunisie a connu plusieurs écoles, je dirais réformistes, dont beaucoup d'origine justement cléricale, c'est-à-dire qui venaient de Jamaa Zaytouna, de l'université de Zaytouna, et qui ont appelé à l'égalité dans l'héritage, mais il y a de cela un siècle. Je pense notamment à Tahar al-Haddad. Oui. Tahar al-Haddad a écrit un livre qui s'appelle « Notre femme dans la Shaïra et dans la société ». Et il a appelé très clairement à l'égalité totale entre les hommes et les femmes. Et il a parlé d'héritage qui est complètement discriminatoire. Oui. Et puis, il y a eu aussi Tahar ben Achour et toute une série de réformes, de réformateurs tunisiens, épris de justice et épris d'égalité. Ce combat en ce qui nous... Donc évidemment Bourguiba aussi pendant tout de suite après l'indépendance a essayé de réformer, il a réformé déjà le code du statut personnel, mais lorsqu'il est arrivé à la question de l'héritage, la résistance a été très 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 importante. Oui. Et je pense que pendant longtemps la thématique de l'héritage était taboue. Aujourd'hui elle ne l'est plus, elle ne l'est plus. D'abord, parce qu'il y a des femmes et des associations de femmes qui luttent depuis 20-30 ans sur les questions. Il y a des universitaires, y compris de la Zitouna, qui appuient notre combat, qui disent que les textes coraniques sont à soumettre à une exégèse positive, que les temps ont changé. Et puis, nous appuyons dans cette marche sur un référentiel qui est un référentiel international. Oui. Nous appuyons, sur la constitution tunisienne, oui. qui dit qu'il y a égalité totale entre les femmes et les hommes, et que l'État garantit, doit s'engager à garantir et à lever toute forme de discrimination. On s'appuie sur la convention internationale de Copenhague, qui a été non seulement signée et ratifiée par la Tunisie, mais la Tunisie a levé en 2012 toutes les réserves sur la question. Oui. On s'appuie également sur la loi contre la violence à l'égard des femmes oui. qui a été approuvée par le Parlement en août dernier, oui. et qui parle aussi de violence physique, psychologique et économique. Or, l'héritage est une violence économique d'abord,
Et c'est une violence aussi juridique, et c'est bien sûr une violence qui a des conséquences psychologiques. On parlait tout à l'heure, madame parlait des femmes rurales. Oui. Les conséquences de l'inégalité dans l'héritage, oui, sont énormes, notamment en milieu rural. Et surtout, il n'y a que 12% des femmes tunisiennes qui sont propriétaires d'un local de terre. Donc quand elles créent un projet ou elles vont à la banque pour avoir un prêt, elles n'ont aucune garantie à offrir. Ça, c'est un des thèmes, je ne veux pas accaparer la parole, mais c'est il y a tout un argumentaire que nous avons développé et qui montre que l'inégalité dans l'héritage renforce la précarité des femmes, renforce leur pauvreté, est un obstacle à leur dépendance économique. Oui. Elle est aussi en contradiction très claire avec la constitution tunisienne. Donc d'accord. Ça, il y a encore d'autres argumentaires qu'on pourrait développer. D'accord, merci beaucoup, bien sûr. Madame Dalila, alors, avez-vous déjà eu affaire à une femme qui a été victime de cette situation-là, qui a été lésée lors de l'héritage, qui n'ont eu juste une petite portion comme ça de terrain? Mais seulement, petite portion, les frères la prennent. Les frères la prennent, oui. Elle n'a pas le droit à recommander même. Oui. C'est la mentalité là-bas. Oui. Elle n'a pas le droit elle à recommander. Elle ne jouit même pas de la loi charaïque, voilà. Madame veut dire. Voilà. Elle n'a pas le droit même de revendiquer, de parler, de dire non. Voilà, c'est la mentalité. Voilà. Ouais. Et vous pensez que ces femmes sont lésées, c'est par rapport au droit ou bien par rapport à la mentalité ou bien... C'est un problème de la femme même, de mentalité ou des droits? Il y a les deux. Les deux. C'est très lié. Oui. Parce que, quand la charia, pour appuyer, quand la loi charaïque dans les pays islamiques, musulmans, donne... la moitié à la femme, je veux dire, à la mort du père ou de la mère, la succession se fait, l'homme hérite le double de la femme. Automatiquement. C'est automatique. Automatique. C'est pas automatique. Non, je veux dire automatiquement. C'est la loi, c'est ça que je veux dire. Il y a des cas, évidemment, où il faut voir cas par cas, mais c'est la loi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans les milieux ruraux, où la famille, par moments, où le patriarcat est encore fort, et ce que disait madame tout à l'heure, où quand même le milieu reste plus conservateur qu'en ville. Parce que la ville est quand même un vecteur d'émancipation pour ces femmes-là. Oui. Donc, le poids de la fratrie et du patriarcat est tellement fort que par moments, elles se désistent de leur part en faveur des mâles de la famille. Oui. D'accord. Madame, effectivement, je venais vers vous. Justement, je voulais vous demander avant tout que le 13 août, c'est la journée de la femme tunisienne. Oui. Alors, vous pensez que d'ici le 13 août, cette situation aura déjà une solution? Vous pensez qu'il y aura une amélioration? Parce que vous faites quand même partie du secret. Maybe, donc, I don't know. Vous pouvez nous dire quelque chose. Justement, c'est un sujet qui est chaud. C'est un sujet qui est objet de débat large au niveau de la société tunisienne. Oui. Et d'ailleurs, je suis très contente d'avoir toute cette dynamique et tous ces débats-là autour d'une question très importante et d'une grande valeur pour la société tunisienne. Oui. Le problème de... nous avons tout à l'heure parlé du pouvoir qui ne se donne pas. Oui. Même le patrimoine ne se donne pas facilement. Oui. Ce n'est pas facile à toute personne de venir donner de l'argent ou bien donner le patrimoine. Donc, c'est un sujet de combat. Oui. En fait, la femme a un grand problème sur la question d'héritage, le problème d'accès. Et les deux dames, tout à l'heure, elles ont parlé de cette question-là. Même avec le système actuel de charia, elle n'arrive pas à avoir sa part de la succession. Donc, c'est un vrai problème. La question de l'héritage... Ça tourne, c'est un point de divergence dans la société tunisienne. Il n'y a pas un seul avis sur cette question-là. Et vraiment, bon, il y a le bloc conservateur, ils ont une très forte résistance
au changement sur la matière de l'héritage. Et il y a l'aspect religieux, parce qu'il y en a l'aspect religieux qui est un peu sensible pour les gens. Il y a l'aspect des droits humains. Il y a l'aspect sociétal et la résistance au changement. On ne veut pas changer. Nous sommes comme ça. On veut rester dans la même situation. Et nous avons, et il y a des imams qui disent que les versets coraniques sont fermes et sont précises et sont clairs et ne sont pas susceptibles de changement. Oui. Ils sont fermes. Ça, c'est une école. Oui. Il y a une autre école, mais malheureusement, ils sont une petite minorité, ils ne sont pas la majorité des imams, qui disent oui, pourquoi pas, on peut avoir une autre interprétation. Tout à fait, une autre lecture. Voilà, mais une autre madame, lecture de... Mais madame, mais madame là, excusez-moi, je vais vous laisser continuer, mais je voudrais quand même savoir, là, vous êtes en train de donner votre avis en tant que membre du Parlement panafricain. Ouais. Donnez votre avis en tant que femme. Sans être membre, enlevez votre couverture en tant que femme. Quel est votre avis sur cette question? En tant que femme. Oui, en tant que femme. Pas en tant que membre du Parlement panafricain. Non, non, je parle en tant que femme. Je suis en train d'exposer la... Ah, d'accord. Allez, je demande votre avis à vous. Non. à mon avis, à moi, mon approche à moi, tout le monde me connaît. Oui. Moi, je donne la suprématie à la liberté. Oui. Chacun est libre. La liberté est garantie même dans le Coran lui-même. Oui. Tu ne peux pas imposer à n'importe qui les textes coraniques. Oui. Chacun est libre. Oui. Tu peux Mais est-ce que vous êtes pour l'égalité entre hommes et femmes au niveau de l'héritage, madame? Mon problème est que je suis en train de comprendre actuellement les systèmes islamiques. Parce qu'il n'y a pas une seule condition. Vous avez tout à l'heure dit que l'homme, il prend le double de la femme. Oui. Bon, c'est pas dans toutes les situations. Dans toutes les situations. Mais par défaut, c'est la règle. Je vais donner mon avis. Des exceptions. Non. Ils ne sont pas des exceptions. Non, c'est pas des exceptions. Il y a plusieurs variantes dans la distribution de l'héritage. Parmi les variantes, l'homme, parfois, il a sa part et le double de la femme. Oui. Mais il y en a d'autres situations. Parfois. Non, ce n'est pas parfois. Il y a deux situations là où l'homme, la femme prend plus que l'homme, le double. Il y en a. Moi, je ne suis pas spécialiste dans la question d'héritage. Oui. C'est très compliqué, le système de l'islam. Oui. C'est une occasion pour moi. J'ai commencé déjà à relire ces systèmes. Je dois les comprendre parfaitement pour que je puisse donner mon avis. Parce que le système d'héritage islamique repose sur toute une philosophie. Il faut la comprendre. Oui. J'ai parlé la constitution tunisienne également, l'article 1. Il impose le respect de la Tunisie est un pays la religion de la Tunisie et l'islam. Donc, il faut faire une interprétation conjointe. Et c'est pour ça que j'ai incorporé la question de la liberté. Oui. Il faut avoir la suprématie de la liberté. Donc, tu as la constitution, tu as le Coran, tu choisis. Madame, mais est-ce que les femmes sont libres en Tunisie? Les femmes tunisiennes sont-elles libres? On aurait dû alors laisser... Non, je ne sais pas, dire à madame. Je on sais aurait pas. Dû laisser la liberté aux hommes de se marier avec quatre ou pas. Non. Je veux dire, non, on aurait dû, je dis, moi, puisque j'ai compris ce que vous dites. Et on devrait donner le choix. Celui, ma question est, on aurait dû aussi laisser aux Tunisiens, hommes, de dire, moi je m'en tiens à une, et l'autre qui dit moi je m'en tiens à deux et l'autre à quatre. Voilà. Donc, c'est la liberté. Donc la loi s'applique différemment aux individus. On ne parle pas de droit. C'est pas un droit. La polygamie, c'est pas un droit pour les hommes. C'est un faveur. C'est pas un droit. Il faut distinguer entre les droits et les faveurs. Non, attendez, madame. C'est pas un droit. Je parle du statut personnel tunisien. Moi, je parle du code du statut personnel qui a interdit la polygamie. Oui. Si vous êtes pour la liberté, je peux donner d'autres exemples. Hein. C'est pareil pour l'âge au mariage qui a été élevé par Bourguiba à 18. Attendez, mais à ce moment-là, on laisse la liberté aussi de dire, bon, pourquoi vous pouvez choisir de vous en tenir à une
Ou alors vous mariez à quatre. Non. C'est pas de cette façon. La liberté, c'est-à-dire, tu as, il faut quand même, nous avons dans, même dans la charte des droits de l'homme, la liberté du culte, la liberté des religions. Madame, on va rester dans le cadre de l'émission, s'il vous plaît. Nous sommes en train de sortir du cadre de l'émission. Donc, madame, veuillez continuer votre exposé sur les conditions, justement, sur l'évolution. Je n'ai pas un avis clair et précis dans cette question-là. Je suis en train d'examiner. Je ne vais pas anticiper. Pour avoir un avis vraiment clair sur la situation, je dois bien comprendre, comme je vous l'ai dit, l'arsenal juridique qui régisse l'héritage dans le système islamique. Et j'ai besoin d'avoir également un autre système pour que je puisse comparer entre les deux et comment on peut voir la question de l'héritage. Parce qu'il y en a des situations qui sont liées à la situation des héritiers. Oui. Je ne sais pas comment... j'ai parlé même avec les membres du comité de la commission de la liberté et je leur dis, laissez le système islamique à côté et allez-nous implémenter un autre système parallèle pour qu'on puisse choisir. Justement, même la commission, elle n'a pas arrivé à trouver une solution. Si vous n'avez pas encore d'idée fixe, mais est-ce que d'ici le 13 août, qu'est-ce que vous envisagez? D'ici le 13 août 2018, c'est la journée nationale de la femme tunisienne. Mmh. Est-ce qu'en tant que membre du Parlement, vous croyez que vous aurez déjà une position assez fixe? D'ici là. Vous devez vous prononcer avant. Si vous m'invitez... La loi va passer devant le Parlement. Avant juin. Oui. Déjà, vous savez. Si vous m'invitez après un mois ou deux mois, vous allez trouver une position parce que je suis en train de relire et d'examiner. Oui. Voilà. D'accord. Ils vont vous soumettre leur rapport le mois de juin. Non, madame, nous avons déjà une initiative qui a été faite par les députés. Bien sûr, par hasard, j'étais membre de la commission et nous avons même fait des séances d'audition au ministère des Affaires religieuses, au ministère de la Femme et des universitaires et de la société civile. Donc les débats ont été lancés déjà depuis 2016. Je sais de quoi vous parlez, vous connaissez bien sur la question. Voilà, donc, ce qui me reste sur le plan personnel, je suis en train de m'appuyer, d'avoir plus d'informations, de relire toutes les interprétations possibles. Merci madame, nous allons laisser du temps à madame, elle a encore 4 mois pour avoir plus une position claire. Donc en attendant madame, vous allez faire votre marche, vous avez dit c'est quand? C'est le samedi à 14h. Samedi à 14h. Donc nous nous retrouvons tous à... Vous avez dit, c'est à Bardot ou à... Ça commence à Bebsadoun. Ça commence à Bebsadoun et ça finit à Bardot. D'accord, nous vous remercions, je vous dis merci à vous toutes les femmes d'avoir accepté. Donc, je vous remercie déjà, mesdames, encore une fois de plus. Et à vous, fidèles internautes, je dis merci pour votre aimable attention. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission sur notre site web www.rlf-media.com. La journée internationale de la femme reste encore d'une brûlante actualité, car tant que l'égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas atteinte, nous aurons toujours l'occasion de la célébrer. Donc, tant que nous n'avons pas cette égalité, chaque année... C'est vrai. D'accord, je vous remercie encore et bonsoir. Merci à vous. Merci.